cette créature fascinante qui n'existe qu'à Madagascar. Numéro 7. Grenouille tomate. Elles ont une petite tête avec un museau aplati et des yeux proéminents, à pupilles rondes et dont l'iris est verdâtre. Leur corps est tout rond et tout gonflé. L'intégralité de leur corps est d'un rouge vif, qui est plus intense quand elles sont petites. Elles ont une ligne noire qui part après l'œil et qui se prolonge au milieu du dos. Leurs pattes sont courtes. Les doigts des pattes arrière sont très peu palmés. Numéro 6. Caméléon panthère. Endémique de Madagascar, le caméléon panthère fait partie des plus grands spécimens de caméléon. Ayant la particularité de changer de couleur selon son humeur, le caméléon panthère possède comme les autres caméléons, des yeux totalement indépendants l'un de l'autre, et peut ainsi regarder dans plusieurs directions simultanément. Chassant à l'aide de sa langue extrêmement rapide, et ayant la capacité de pouvoir effectuer d'impressionnants sauts. Numéro 5. Serpent né de feuilles. Ce serpent de Madagascar possède une apparence très atypique, du fait de l'appendice qui se trouve sur son nez qui est, fait rare chez les serpents, très différent selon le sexe. Le mâle, ici marron et jaune, a un nez pointu, tandis que la femelle a un nez à la forme plus sophistiquée, qui lui donne son surnom de serpent à nez feuille. Serpents sont souvent suspendus aux branches des arbres, tête en bas et touchant le sol. Numéro 4. Papillon comète. Le papillon comète de Madagascar est un des plus grands papillons producteurs de soie au monde, caractérisé par sa couleur jaune et sa très longue queue. Ses ailes jaunes possèdent des ocelles orangées barres obliques bleues sur chaque aile. Le papillon comète de Madagascar se trouve dans les forêts vierges de Madagascar. Est caractérisé par ses ailes jaunes possédant des ocelles orangées barres obliques bleues sur chaque aile, et sa longue queue rouge aux extrémités jaunes. Numéro 3. Scarabée girafe. Sont des coléoptères équipés d'un cou particulièrement long. En fait de cou, c'est la tête ainsi que le prothorax, qui sont très allongés. En fait, le scarabée girafe n'est pas un scarabée mais un charançon de la famille des atelabides. Les scarabées girafes vivent sur les feuilles des arbustes, de l'espèce Dicetanthera cordifolia ou de l'espèce Dicetanthera arbora. Les anglo-saxons l'appellent plus justement girafe veiville. Numéro 2. Gecko satanique à queue de feuille. L'Uroplatu fantasticus mesure, y compris la queue, de 7,5 à 10 cm et peut facilement se camoufler dans les zones de végétation, puisqu'elle est capable de transformer sa couleur de brun ou gris à jaune, vert ou rose selon le moment et le milieu environnant. Ses principales caractéristiques sont la queue en forme de feuille, le petit corne et des yeux généralement rougeâtres, raison qui l'amène à être populairement appelé satanique lizard queue de feuille. Numéro 1. Tenrec zébré. Ce tenrec zébré des terres basses ou petits ports épiques, originaire de Madagascar. Il existe 30 espèces de tenrec à Madagascar, mais celui-ci a une particularité. Tenrec spine lorsque les plus jeunes de ces animaux à la fourrure piquante se perdent. Ils émettent une stridulation en se frottant les pics sur leur dos, afin d'avertir la famille. Ces sons sont inaudibles pour l'oreille humaine.